Yo tout le monde! Aujourd'hui, c'est Redian Gaming. On se retrouve sur un gameplay sur PS4. Non, j'ai pas de PS4. Non, c'est pas à moi. Je trouve pas au fond de l'acheter. C'est à Jimmy. Vous avez la preuve. Vous avez la preuve. On est chez Jimmy. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur un gameplay sur Metro 2033, ou ben Metro Lights Lights, c'est moi qui décide, ok? En fait, c'est les deux sur le même. Stop, ben ça. Go. Hey, tu veux voir, c'est quand même, hein? Ben, c'est fait, on le fait. Hey, c'est bon. T'as déjà pensé. C'est sûr que moi je vous ferai pas le gameplay sur 2033 parce que moi j'ai déjà pensé. Donc on va essayer tout de suite sur la slide. Pour ceux qui veulent s'acheter, si vous voulez pas vous spoiler, ben quittez la vidéo. Ouais, c'est en plein ça. Donc on commence tout de suite. Bon, ça y est, c'est fini, c'est pas vrai. Ah, comme le tout début du 2033. Ouais. Sauf que le tunnel est plus amoché que dans le 2033. Langue des textes. Quand on me demande comment tout a commencé, je dis toujours que c'est le jour où nous sommes allés au jardin botanique. Y a-t-il la volume? C'est-à-dire moi-même et de nos amis. Je sais pas, mais peut-être baisser le son. Qui a eu l'idée de visiter la station abandonnée? Qui a persuadé les autres? Merci. Je leur dis toujours que je ne m'en souviens pas. Je mens toujours. C'est un pieux mensonge, car difficile de savoir la vérité. Eugène et Vitaly étant morts maintenant. Les portes de l'énorme sas ont tremblé et se sont ouvertes avec un grincement, dévoilant une voie infernale pour nous et une voie vers le métro pour les démons. En réalité, tout a commencé le jour où ma mère m'a dit qu'on allait se promener dans les jardins botaniques et qu'on prendrait le métro. Je me souviens que nous avons pris un court escalator jusqu'à la surface, que nous sommes sortis par un grand pavillon de verre et que nous avons vu une rue couverte de verdure. Je me souviens des petits nuages dans l'immensité du ciel et de la douceur du vent sur mon visage. Ma mère m'a acheté une glace. C'est la dernière fois que j'en ai mangé. Ce jour-là, l'humanité a été exterminée. Les justes et les mauvais ont dû rendre compte de leurs actions. Nous nous sommes cachés de l'œil de Dieu dans le métro. Nous avons échappé à sa colère. Et il a apparemment décidé qu'il n'était pas nécessaire de nous achever. Puis... il a repris ses activités, ou peut-être est-il mort. Quant à nous, nous sommes restés sur cette terre détruite et abandonnée, et nous avons continué, sans aucun but. Je me souviens de tant de détails inutiles, et pourtant, je n'ai pas souvenir de l'essentiel. Le visage de ma mère, elle est morte peu après le début de la guerre. Tout ce qui me reste d'elle, c'est cette journée dans les jardins. Je voulais tellement me rappeler son visage et son regard sur moi, la façon dont elle parvenait à m'apaiser en aimant. J'aurais vendu mon âme pour me souvenir de ça. Je l'aurais fait comme ça, sans hésiter. Et je l'ai fait. Donc ça, aujourd'hui, c'est rendu nous autres. C'est même pas pire, mais quand même... ouais. Bonne histoire de... très bonne histoire. Ok tout le monde, c'est là que l'action va commencer. Moi je vous avertis, j'ai fait le début de la slide, donc vous avez peut-être trouvé ça bizarre au début. Et moi, personnellement, moi je n'ai jamais fait ça. Donc, on est comme, on signe qu'on se crée une partie dans le fond, j'ai jamais fait ça. On va se mettre ça, survie, ok?
Normal, ok. C'est-tu le gars qui met ça en cauchemar? Putain de gamer. Les sombres sont venues plus tard. C'est pas vrai. Depuis les jardins. Les sombres. Immenses. Dépassant d'une tête l'homme le plus grand. Des créatures de cauchemar. Aussi laides que des hommes éventrés. Des monstres nés pour nous détruire. On disait qu'ils étaient si forts et si redoutables qu'ils pouvaient déchiqueter des hommes à main. Ouais, c'était une vite là que je parlais. Joseph. Ouais, eux autres, là même, je les haïssais. Est-ce que t'es La vérité est plus terrible encore. Oh! Si, c'est une nuage. C'est eux autres. Ouais. C'est vrai qu'une lumière? Non. Parce que dans le noir, c'est encore plus trippant. Ok, dans tout le monde, même que Jean et la gay sont invisibles, mais on veut leur rendre. Ouais. Mais même là, ils sont durs là, quand même. Tout le monde, c'est commencé. Là-haut, j'étais dans le train quand c'est arrivé. J'ai tenté d'appeler ma famille, mais j'ai pas pu les voir. Ah, c'est là. On les voit pas. Oh putain! Quoi? Non. Oh putain. Artyom, debout. Artyom, c'est moi, Cal. Des cauchemars, hein? Pas étonnant avec tout ce que t'as vécu. C'est bien que ça. Écoute, j'ai des nouvelles incroyables. Il y a quelques jours, j'étais pas rien, c'est pas beaucoup bazar, mais quand même, j'avais peur, hein. Je me suis mis à ta recherche parce que c'est toi qu'ils ont tenté de contacter avant que tu lances les missiles contre eux. Tire-toi, vite. Oui, Ullman, une seconde. Si un sombre a survécu, tu dois absolument lui parler, Artyom. Maintenant que t'es dans l'ordre, tu obéis à Melnik, mais on doit le persuader d'autoriser cette mission. Dégagé. C'est une base secrète ici. Tu ne devrais même pas être là. Je t'amène le colonel Médic. Suis-moi, Artyom. Prépare-toi, Artyom. Je t'attends. On se dépêche, Diplette. J'ai connu un fumeur pendant la dernière année de sa vie. D'après moi, on doit suivre le petit bonhomme qui nous avait dit suis-moi, Artyom. Toujours utile si tu veux. Non, mais c'est pas plus loin, y a-t-il autre chose à prendre? On peut se prendre ça, non? Utiliser la roi. Ok. Je joue de la guitare. Bon. Donc, tout le monde, on continue. Des six, c'est un endroit bizarre. Je savais pas qu'ils faisaient des bunkers aussi grands. Salut, Artyom. Artyom faisait partie des gars pour trouver une des six. D'après moi, c'est peut-être par là pour faire. Non. C'est un bout de chimie. Vous oubliez les cas. On va aller pisser, c'est infini. Ok. Je vais pas sortir
Regardez-moi ces deux jeux. Minable. Pas étonnant que le colonel ait doublé l'entraînement. C'est bon, oui. D'accord, les crevettes sont toujours très chiantes. Mais franchement, qu'est-ce qu'il y a de plus? C'est bon, t'as senti nous? Ah? Salut Arthur. Bienvenue à l'Arsenal. T'es un ranger maintenant? Faudra qu'on prenne un verre pour fêter ça. Pour l'instant, on va t'équiper. Bon, on se met par là. Tu vas avoir besoin d'un masque à gaz. On peut pas faire un pas sans masque à gaz. Ça fait longtemps. Et les radiations sont toujours assez fortes à certains endroits pour faire bouillir de l'eau. Il y a des points chauds. N'oublie pas les filtres pour le masque. C'est sûr que le masque est cool même sans filtre. Mais c'est meilleur pour la santé. Bon, les medipacks. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a tout pour survivre dans une valise orange très stylée. Voilà ton avance sur salaire pour ce mois. T'es payé en balles militaires. Tu peux bien sûr les utiliser comme une mission classique pour faire plus de dégâts. Mais il peut être plus judicieux de les économiser pour acheter des armes, des accessoires, des munitions standards et du matériel auprès des marchands de tout le métro. Ok, ok. Déjà là, c'est très, très... pour ouvrir l'équipement. Attendez. Non, non, non. Pas ça. Pas ça. C'est dans quel mené à la France. Ok, c'est bon. Tout le monde aura demandé, j'ai déjà trouvé. Ça n'a rien. Allez, passons aux choses sérieuses. On va te trouver des flingues. Prends ce que tu veux et scellez sur mon chantier. Hein? Les rangers portent en général trois armes. Avec trois sept pour les équiper. Ah, bon choix. La calache, c'est une activité dans l'arsenal des rangers. On va se prendre le logis. Celui-là, je l'ai très bien aimé. Celui-là. Assure-toi de ne pas être loin de ta cible avec ça. Le fusil, c'est bien pour les cibles éloignées. Mais il vaut mieux éviter d'être surpris par l'ennemi avec ça à la main. Ok, ok, c'est... Non, je vais pas remplacer. Avec tout le monde, excusez-moi, parce que Étienne est en train de modifier un petit peu ses guns. Avec, je vais le laisser aller. Allez Arthur, passe sur mon chantier pour essayer ces guerriers. Reviens si tu veux tester une autre arme. Et Arthur, distrais-moi un peu. Et c'est le reste des armes de ma chanson. On se prend celle-là. Essaye de faire une seule sorte de la poitrine du mannequin standard. Oh, c'est sûr. Porte sur le mannequin et une armure. Tu vois la différence? Voilà, ça c'est les bases. Tu peux continuer à porter des soucis. Ou alors tu vas ouvrir une grille. Le chat succès, genre trophée, le pain. Ouais. Mais non, la base quand même. Pourquoi tu mets au lieu de pas rester on reste pas là à faire des. À faire rien. La maudite affaire. Hein. Ouais. Fais attention à Spion, Alex. Ouvre les portes. T'as entendu pour les Snitsky? De quoi tu parles? On demande au cadre du laboratoire. Ah merde! Qu'est-ce qu'il a fait? Parfait. Allons-y. Sérieux là? Waouh, je suis mon gars, sérieux? Ils sacrifient leurs ouais, le jeu est très bien, c'est tu. C'est pour le métro, là, c'est vraiment quand même, c'est rendu vraiment bon. Là. Ouais. On voit ça, tout le monde, là, regardez les graphiques. Là. Le premier était quand même pas pire, mais il y avait beaucoup de.
ça que j'ai jamais joué. C'est pour ça que quand j'ai jamais joué au deuxième, là, quittez le jeu, okay, quittez la vidéo. C'est mieux, vraiment mieux que vous passez le 2033 parce que là, il va voir, parce qu'il y a quand même du gros sport au niveau de l'histoire aussi. Il paraît que Lestitsky a fait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne le sait. Massacré à cause de Lesnitsky, il a littéralement m'arraché le cœur. Enfin, ce qu'il en reste. Comment on va s'arrêter ici? Voilà, la gorge est du sang de même. On vous demande. C'est parti. Parce que ça monte encore. Oui, ça monte encore. Venez, la touche pavée. C'est une masse que l'or pourrait être trouvée. Sega, Melnik, il les attend. Oui. Parfait, allez-y. J'attends ici. Quand vous serez parti, je parlerai à Melnik. Ah ouais, puis je vois de ça. Le bombardement des sombres est sûrement la pire erreur de l'humanité. Et s'il ne voulait pas de mal, je me demande pourquoi Bungie a juste total à des cons dans des jeux comme peut-être ça. Bungie qui a fait ça, vous ça donne le temps. Oh, je suis trop blessé. Il faudra que tu y ailles tout seul. Ben, tu sais, n'importe quoi. Ouais. Les gens sont morts. Et MKH, ta station d'origine. Hunter, le meilleur de l'ordre, est sûrement mort aussi. Et il t'a appris ceci. Hein? Si on ne se bat pas pour nos vies dans le monde, on sera dévoré. C'est la loi d'évolution. Mais à mon avis, les vieilles lois ne s'appliquent. Artyom, et toi, Khan, vous avez quelque chose à signaler? Oui, colonel. Essayons de faire bref. J'ai localisé un sombre en ville déjà. Quoi? Un de ces trucs vit encore? Par chance, oui. Par chance? Khan, c'est de la folie pure. Les sombres représentaient la plus grosse menace pour l'ordre. Colonel, laissez-moi une chance. Un sombre seul est inoffensif. Artyom a un don. Je crois qu'il a établi un contact avec cette créature. Laissez-le venir avec moi. D'accord. Artyom, va au jardin avec Khan et localisez le sombre. J'enverrai un sniper avec vous. Un de mes meilleurs. Anna? Oui, monsieur. Oh! La meilleure sniper. Donc, ok, tout le monde. Donc, ça, c'est comment? La créature et finir le travail de l'ordre. Dans le fond, si on réussit à domestiquer la créature, ah, va être à nous autres. Arrêtez-le! Pauvre idiot, vous refaites la même erreur! Terminé. Escortez Khan hors d'ici. Artyom, c'est ta dernière chance de te racheter. De dire adieu à tes cauchemars. Oublie Khan. On dirait qu'il a approché de trop près la créature et qu'il a perdu l'esprit. Écoute-moi, Artyom. Termine la mission et reviens vite ici. La guerre approche et j'aurai besoin de tous les Rangers à leur poste. A plus tard. Alors, qu'est-ce que t'attends? Viens donc, mon lapin. Oh! Ah, c'est comme direct, là! Mais non! Scampe-toi, scampe-toi, man, c'est bien dit. Tant mieux! Hey, c'est moi, bonhomme, c'est moi qui joue. Vas-y, poupée. Ah! Ouais, je vais pas tu crois à ces conneries de paix avec les sombres? J'aurais bien aimé être dans la tour moi-même. Ta pour gueule. Voir le missile s'abattre. Je vois ton slide. Dans leur nid. Ta gueule. Allez, mon lapin, tu laisserais vraiment ces trucs entrer dans le métro pour qu'ils s'immiscent dans nos têtes. Regardez ma caméra. Pour que les gosses vivent à la surface et se mouillent. Ah, bah, slack, je me snipe. Bonjour. On marchande pas avec le diable. Éloignez-vous de la bordure du quai. Le train arrive. Ok, j'allais vraiment réussi à récupérer un métro. Mais non, tu sais, il va pas récupérer dans les trucs. Non, c'est pas vrai. C'était un premier, il faisait des chariots
Oh mais non, t'as pas, y a de quoi qui cloche là. Y'a-t-il des chariots à l'avis? Hey bébé, on fait une course! Non, ok, non, c'est bon, je reste avec toi. Ça veut dire le premier, utilisait des chariots avec des leviers. Ouais, pis les loups-garous, ils viennent t'attaquer plus vite. Ouais. Ben ça prend, ben pas plus vite, ils venaient t'attaquer tout de suite. Pis le stat, carrément, bien trop. C'est bon? C'est bon, ça va? Yo, je sais pas si c'est le truc qu'ils ont réussi à récupérer, mais en tout cas. Non, j'ai un mauvais pressentiment qu'il va se passer de quoi. Avant, les trains étaient des trucs ordinaires. Hé, hey, on fait la course. Go! Regarde! Il va gagner! Ça te pousse dehors du métro. J'ai gagné! Salope! Ouah! Ok, je m'en vais. Ok! Ah! Vroom vroom vroom, la motine, vois-tu? Ah, c'est vrai! Oh non! Oh, comme j'aime mon petit bolide! Ok, là, chute tout le monde, c'est là que ça se passe. À quoi je dis là, chute tout le monde? C'est genre, on est tout seul, puis je dis chute. Utilisez vos lampes pour l'instant. Voyons ta barsac. Ok, on prend celui-là, ok? On prend. Non. T'es rendu où? Tout le monde la tienne et là vous venez dire Étienne, sais-tu quoi faire? Non. C'est pour ça que je me guette partout. Je couvre le passage. Oh putain. J'ai des canards partout. Oh merde. Bon, mais t'es plein avancé là-bas. On y va. Je vois un lacteur. Ah là par exemple. Parfait. Ah fuck. La carte indique un point d'entrée de collecteur droit devant. Ouais. Bon, ça nous dit quoi? Avance, je te suis. Ok tout le monde, je suis très nerveux. Il y a un cul-de-sac à gauche. Quelque chose les a alertés. Fais gaffe. Non, la voici le garou. Qui s'est sauvé? Ce truc est rapide. D'accord, viens, on en retrouve le même premier scénario. On en retrouve la fin dans le premier scénario. Faut encore marcher un peu. Elle dit ce truc est rapide. Le premier était avec un gars, puis putain, ce truc est rapide. Chut! La surface. Mets ton masque. Merde, j'ai pas compris ce qu'elle a dit. Vas-y, mets ton masque. J'ai vu, il n'a fait pas y par la bébête en dessous, mes pieds. Non, ils ont trouvé la même, quoi, la même, ça n'a rien dans le premier. Il n'y a aucune chance que tu l'aimes, mon lapin. La chose que tu manges, la chose que le truc est rapide. Donne-moi un coup de main. J'avais déjà activé mon... Allons à l'entrée principale. On a une bonne position au sud de là. Je peux couvrir beaucoup de terrain. T'es censé être immunisé contre leur influence, c'est ça? Moi, je suis une fille normale. Alors, je peux pas y aller. Mais bravo. Avance et cherche la créature. Je crois que s'il est sombre t'apprécie tellement, celui-ci te sentira ou fera ce qu'il a à faire et il sortira de la bloc. Essaie de rester à découvert pour que je te couvre. On gardera le contact. Et si jamais t'es pris de remords, t'en fais pas, je le ferai. Bon allez, bonne chance.
de tout le monde, c'est là que ça se passe. Faut pas trop vite non plus parce que tu sais, comme pas trop aussi. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais tu t'occupes d'eux autres. Alors voici qu'est-ce... Voici c'est quoi les deux bêtes qui nous attaquaient au début. Voici c'était quoi. Il y en a partout. Je pense que je vais utiliser mon armement. La recharge dans ce cas. Tiens, t'es habitué à ce jeu-là? Oui, je suis habitué. Pourquoi je suis habitué? C'est parce que, bien sûr... Non. Ouais, ça! C'était quoi ça, Jimmy? Tu le sais-tu? Une explosion, je pense. Non! La bébête! Oh, la bébête? Non, je sais pas le dire. J'ai eu? Non. Un macaque muté. Détruit. Tu sais pas si c'est un macaque qui a muté là? Une vision? Ouais, il m'a mis comme dans une vision. C'est-tu là la première guerre? Asti, oui! Ah non. On va passer à la cinématique ou non? Bah oui, je passe pas. C'est bon. Au cas où que ça intéresse les gens. Oh Jésus. Ici, il est encore chaud. Vous êtes mangé. What? Ok, c'est des machins. La créature que j'ai rencontrée dans les vestiges brûlés des jardins ressemblait à un son. Elle a pu pénétrer mon esprit et en tirer le plus intime. Ouais, ça va, elle a pu résoudre ton esprit. Ces prisonniers ont été capturés au jardin botanique. On
tarantules ou des araignées. Je sais pas, ça ressemble à des grosses tarantules, je sais pas. Je vous ai dit de ne pas bouger. Alors, voyons. 318 mm par 302. Vérifions dans le tableau. Ah, félicitations. Vous êtes un mutant. Non, non. Aïe, aïe. Eh, j'ai l'arme, j'ai juste son arme. T'imagines-tu ça dans la vraie vie, genre, tu sais, c'est quoi ça, les égouts? Je mène et tu suis. Allez, fais pas le bruit ou ils vont gazer tout le monde. Tiens, voyons un peu ça. On y va. Évite la lumière et reste bien dans l'ombre. C'est ta meilleure amie. Ok, c'est parfait. On dirait qu'on a réussi. Voyons voir. Alors, une grille. Ça bouge pas d'un poil. Bon, on peut pas passer par ici, c'est certain. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Et si... Hé! Oh! Aide-moi un peu, tu veux? Une petite souris. Descends et fais pas de gestes brusques. Allons-y doucement. D'accord? Tu peux te blesser, les gens. On va sauver des innocents en fusillant. Non, on va pas le fusiller. Merci, monsieur le soldat. Merci. Le fureur a dit que le fusillage, c'est trop bien pour les morts. Genre, comme s'il nous aurait pas vu, là, tu sais. Il y a pas de gigue, mais. Oui. Ok. C'est comme là, il donne un mec à chaque fois. Bon, tu prends celui de droite et moi
pas celui de gauche. Je vais l'occuper et toi, tu descends, tiens. Dashdeon, vas-y, mais pas de précipitation, piché. C'est parti. Oh putain de merde. Je pense qu'en face, il faut pas qu'il te voie. Non, il avait dit au début qu'il fallait pas qu'il te voie. Moi, celui de droite et moi, celui de gauche. Je vais l'occuper. Par contre, je les entiens. Ouais. Dashdeon, vas-y, mais pas de précipitation, piché. Ouais, c'est bon, on va y aller. Tu peux soit l'assommer ou le tuer. J'ai choisi de l'égorger. C'est bon, dévisse l'ampoule. J'ai rien fait, là, c'est le gars, là. Mais merde, mais vas-y, elle. Eh, vas-y, elle. Mais vas-y, elle. Je vais m'occuper et toi, tu descends. Ok, là, je vais rester attentif. Vas-y, mais pas de précipitation. Non, je sais qu'il faut que tu dévisses la poule. C'est parti. Oh, c'était ça. Bonne chance. Comme si on allait en cacher. C'était. Hé, hey, mon gars, ouvrez les cellules. Il y a un panneau pour la salle. Non, j'ai de la main. Comment ça, tu l'as libéré? T'es salé ou quoi? Je sais pas. Je l'ai regardé. Et j'ai eu l'impression de voir mon fils. Ce marchand de Hansa. Je suis prêt à partager. Ça fait trop pour moi tout seul. Mais n'en parle pas à l'Oberscharführer. J'ai pu me faire 200 balles. Je veux la moitié. Oh man. Ils font des drôles d'expériences. Comment? Je vais essayer de lancer le couteau. Puis dans 15 minutes.
1, 2, 3. Ben, j'ai pas pu me rendre plus loin que ça, les gens. Donc, pas parce que je voulais pas me rendre, c'est parce qu'on est rendu à ma limite de vidéo qui est à 40 minutes. Là, je suis rendu à 41 minutes. 34, 35, 36. Ça monte. C'est pas parce qu'on veut pas. C'est ma limite de temps. Donc, c'était ça qui était pour le gameplay sur. Pardon. Qui était pour le gameplay sur Metro Last Light. Donc, c'est là qu'ils veulent l'acheter. Les sérieux, c'est un maudit bon jeu. Mais aujourd'hui, il faut se dire qu'ils vendent plus rien que comme ça. Les deux dans la même boîte. Si vous le voulez séparément, vous devez acheter sur Xbox 360. Ou vous allez vous les pirater. Ouais, il y a ça aussi. Bye bye. Peace. Yo.